D'abord, la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Donc nous surveillons cela avec attention. Pour le reste, je vous renvoie évidemment au Quai d'Orsay et à la ministre Catherine Colonna pour avoir plus d'informations.